Et wesh les mecs, c'est Natux. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette vidéo, comme vous aurez pu le voir au titre et la miniature, je vais tout simplement essayer de faire le plus de points en arène en une heure. Malheureusement dans la vidéo il y a eu des petits bugs, j'avais plus d'espace sur mon PC, il y a des clips qui se sont coupés malheureusement, même quand j'ai fait top 1 ou des trucs comme ça. J'ai caché un mot dans la vidéo, tous ceux qui le trouvent comme d'hab, c'est à dire que vous êtes des bons, vous avez regardé en entier. N'hésitez pas à la regarder en entier, ça m'aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas aussi à poser le petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup aussi. N'hésitez pas à vous abonner, alors où je tourne la vidéo, on vient de passer les 5000 abonnés. Merci beaucoup les mecs. Voilà, il y a quelques games qui seront pas et puis voilà. Moi je vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo, c'était Natux et bonne vidéo les mecs. Ok du coup les mecs, on est parti avec la première game. On est à 8400 points, donc on va directement lancer le chronomètre sous vos yeux, comme ça vous allez pas avoir de triche. Donc on lance le chronomètre, on a une heure. Mon objectif c'est de faire au moins les 9000 points. Si jamais je fais pas de retour lobby, si jamais je suis vraiment très bon, peut-être les 10k, c'est vraiment ce que l'objectif que je me donne pour cette vidéo. On va faire de notre mieux, j'espère pas faire de retour lobby. Mais de toute façon si jamais je fais de la D et que je commence à faire plein de retour lobby d'affilée, je vais ramener des potes, on va partir en duo, en trio, parce que sinon ça va être catastrophique là. Ok, j'ai le pompe, t'es déjà un free kill. Un kill pour le début de la game. Quand on a un coffre légendaire, je crois que la partie elle commence bien, mon ref. On va essayer de caisse le plus de kills de toute façon. On se transforme en chienne. Waouh, frère. Allez hop, je patte, c'est bon. Maintenant, on va refaire notre vengeance. On va revenir comme des fous malades. Le retour. 81. Ok, 140. Oh, je l'ai clip. Oh, le frérot. Il a mangé, le frérot. Alors là, mon ref, le clip que je viens de lui rentrer. En plus, il avait une PM Gold. Hop. Le pompe, tout le monde le sous-estime. Mais ce pompe, mon ref, comme il est trop fort en vrai. On a déjà récupéré des points de top. Ça fait qu'on a encore plus de points. On a fait 30 points. Voilà, encore des nouveaux, plus 15. On a encore eu 15 points de top. On a fait top 20. On s'est mis full pierre, full bois. Il manque un peu de métal, mais c'est pas grave. Là, lui, il va nous être très, très bien. Let's go. Si on fait premier top 1 en première game, là, ça serait incroyable. Premier top 1, première game. Par contre, j'ai rarement vu ça, hein. Il y a vraiment personne. Ça fait 10 minutes je fais le tour de la map, j'ai croisé deux mecs, j'ai fumé deux mecs, hop, plus personne. D'ailleurs dites moi si les concepts comme ça de vidéos vous aimez bien, si vous voulez que j'en refasse des petits concepts de vidéos comme ça. Moi j'aime bien les tourner, donc si jamais vous aimez bien les regarder, vous me dites, puis bah j'en referai au lieu de faire que des vidéos highlight. Ok, 54, prends l'auteur. Quand on a pris l'auteur, en vrai il est pas dégueu, il est pas dégueu. Il est pas dégueu. Je voulais le pioche, c'est une honte, une fraude. Il avait 4 de vie, frère. Je voulais le pioche, je lui ai mis des coups de pioche à blanc, mais il était trop bien, frère. Premier top 1, première game. Bon, c'est pas grave, on a fait une game assez potable, on a fait quand même quelques points. Le but, c'est vraiment qu'on perde pas de points. Et on se retrouve pour la deuxième game. Et du coup les mecs, on est parti directement avec la deuxième game. Donc on va aller à Condon. Vraiment l'un des meilleurs spawns de la saison je trouve. Donc on va aller se rendre ici. Et en essayant de faire un gros carnage cette fois-ci, on va essayer de jouer un peu plus les kills. Je vais arrêter de troll parce que frère, j'ai voulu piocher le mec. Au final il m'a mis deux bastos. Je suis retourné directement au lobby. On a monté un tout petit peu les points en vrai, parce qu'on a reperdu les points du bus. Ok, 87. Ok, moins 20. Ok, très très chaud le fight. On va prendre du farm, on va essayer d'aller rush d'autres ennemis, comme ça on fait un peu plus de points. Ok, on va jouer PM comme eux. Il se rappelait plus, j'avais le mur ou quoi? Oh, il a oublié, le fight il vient de commencer, il a déjà oublié que j'avais le mur. Du coup on a fait le deuxième kill. En fait une heure, ça fait déjà 15 minutes qu'on a lancé le truc là, le chrono. Je veux dire là je dois aller rush tout le monde en fait, on a plus beaucoup de temps. Ils ont vraiment pas l'air nuls, en plus ils viennent d'avoir la main. Crac. Ok, je l'ai tué. Ils sont vraiment pas nuls les mecs hein. Oh, mon cœur il bat vite. Oh, ça fait depuis le chapitre 1 saison 1 que mon cœur il a pas battu si vite. Je viens de faire un arrêt cardiaque on dirait. Oh, ils sont pas nuls du tout. J'ai rarement fait des fights aussi serrés que ça hein. Tout simplement avant de passer à la prochaine game, n'hésitez vraiment pas à poser le petit like et le petit abonnement, ça m'aide, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à écrire voiture, tous ceux qui sont restés jusqu'ici, c'est-à-dire vous avez à peu près regardé la vidéo en entier. Et avant de suivre la vidéo, tout simplement je viens de voir que le rec s'est coupé et malheureusement il n'a pas marché. Donc je viens de faire une game de 15 minutes, j'ai fait 5 kills et top 8. Vu qu'il a pas marché et vu que le temps il est fini tout simplement parce que ça fait une heure pile, je m'accorde 15 minutes de plus vu que ça a pas compté la game d'avant vu que j'ai pas le rec. Du coup on se retrouve directement avec la prochaine game et c'est parti. Ok du coup les mecs, comme vous aurez pu le voir juste avant, je m'autorise une dernière game. Malheureusement le rec s'est coupé parce que j'ai plus d'espace de stockage. Mais je pense que le défi il est quand même bien réussi car tout simplement j'ai 8500 points. Mais je perds des points en gros, ça veut dire même si je fais top 1 5 kills, j'aurais perdu 40 points parce que au début je perds des tickets de bus. Mais si jamais on additionne tout, je pense que j'aurais pu même être 9500, donc on va voir ça juste après cette partie de toute façon. En plus on vient de trouver un petit lama. Hop, voilà, on s'est mis bien. On va aller rush, là il y a un mec au tout début de la game. Il m'a tiré dessus, je pense que je vais aller lui régler son petit compte au frérot. Il y a un mec juste ici qui se fight. Je
Je suis une chienne, hop, 96 de chute. Mec, t'es finito, pipo. GG à toi, mon ref. On est parti tout simplement pour le premier kill de la partie. Directement aller rush des nouveaux ennemis. Chaque game que je fais, peu importe si je fais une bonne game ou pas, ça m'enlève à peu près 60 points à cause que je suis champion. Parce qu'on va enlever les tickets de bus et on va calculer à la fin combien de points j'ai fait au total sans compter les tickets de bus qui m'ont enlevé des points. Et je pense que si jamais j'avais pas eu les tickets de bus, je serais au moins à 9000 points là, hein, même plus. Hein. Donc on a pris la grosse voiture comme d'hab, tu connais, Flash McQueen. On va aller rush des nouveaux ennemis. Comme je vous l'ai dit, ça fait 30 minutes, je me répète. On a eu 10 points de top 30. Je pense qu'on va refaire la technique où je rentre dans quelqu'un avec cette grosse bagnole. Je rentre dans quelqu'un avec une bagnole comme ça, mon ref il va direct à l'orthodontiste, il a plus de dents. Putain, il y a Spider-Man en face de moi, les frères. Oh, Spider-Man, je l'ai chitonne. Il a rien compris à sa vie, il a directement arrêté de jouer. Wesh, le stuff qu'il avait. Hop, le skin Vénard. C'est au lobby. Encore une fois, vous avez vu, vous me donnez un bon stuff. La game, elle est finito, pipo. Du coup, on vient de finir tout simplement le troisième kill. On est remonté à 8600 points. En vrai, je pense clairement que je me débrouille en arène. De base, je suis pas du tout un joueur d'arène. Hop, crack. Full box. Et hop, mort. Hop. Mais il a sauté, le frérot. Je jure qu'il a sauté. Il a tapé un saut de titan. Il a commencé à se casser la cheville. Ok, 24, 24. Ok, il a un HP. Hop les, je suis un fou, let's go. Je vous jure que je suis un fou. Je me croise en game, frère, je saute. Hein. Je l'ai foncé dedans. Hop, 43. Crac. Hop, mort, nickel. Faut que j'arrive encore à trouver d'autres mecs parce que moi je suis un fou, je vais rush tout le monde. On est tombé sur un lobby de nul. Hop, crac, et mort, il a arrêté de jouer. On a 8 kills, top 8. Je pense vraiment qu'on peut faire un deuxième top 1 dans cette game. Alors le frérot, il vient de se manger un truc. Je ne vais pas vous mentir que j'aurais pris ça, j'aurais Alt F4. Hop là, il est mort. Celui-là, il était très très chiant. J'ai rarement vu un mec aussi chiant. 20 blancs, 30 blancs. Hop. Et le kill qui est pris côté du joueur français. Go. 84. Ok, un mort. Et le deuxième. Est-ce qu'il va mourir? Oh là 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 là. Comment j'ai pu faire ça, frère? J'ai troll, non. J'avais plus de vie, une balle de plus, il mourrait. Dommage, dommage. Allez frère, voilà le karma. J'ai pris trop la confiance, je me suis fait fumer. Top 2, c'est 13 kills. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, comme je vous l'ai dit à l'introduction, n'hésitez vraiment pas à poser le petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue ce genre de concept. Et puis à vous abonner les mecs, on est bientôt aux 5000 abonnés à l'heure où je tourne la vidéo. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à l'heure où vous regardez la vidéo. C'était Natoux, et ciao les mecs.